important pour lui, c'est le caractérise vraiment bien. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne veut pas savoir, mais en fait, il aime que les gens soient bien autour de lui, il aime apporter du bonheur, et il pense au dépend de son propre bonheur à lui. Il y a vraiment cette vraie générosité, cet altruisme. C'est important pour lui et pour tous les hommes de Dieu, enfin pour de quelques dieux qu'il soit d'ailleurs. Alors on écoute un extrait de ce film. Parlez-moi de ce que c'est pour vous qu'il a mort, c'est cette personne. On sait que dans une vie, cette histoire, on n'arrive jamais vraiment à y répondre, même pour après. Je pense que oui. Dieu sait qu'on s'en est donné. Vous avez déjà eu des rapports sexuels. Honnêtement, je ne pense pas être prêt à échanger sur ce sujet. Comme on pourrait réfléchir ensemble. C'est un exercice de repérage. Et si comme une borne, vous devez être de point sur l'endroit où vous vous trouvez. Je n'ai pas envie de parler de ça avec vous. Les entretiens du gouvernement psychiatrique font partie des règles. Et si vous en faites dans ce lieu, vous en avez eu connaissance. Vous les avez acceptés librement. En fait, ces entretiens du gouvernement psychiatrique, c'est le texte qui s'agit. Il y a un moment. Et après, bien sûr que c'est le texte. Contre utopie, hein, c'est un monde certes qui n'existe pas, mais c'est pas un monde idéal. Au contraire, c'est plus souvent un cauchemar totalitaire, comme dans Le meilleur des mondes de Huxley ou 1984 d'Orwell, dans tous deux dystopies. Pourtant, dans l'univers totalitaire de Panem, Katniss va représenter un espoir, une alternative possible et finalement l'occasion d'une révolution. Mais comment est-ce possible? Comment Katniss Everdeen peut-elle à la fois jouer les règles, participer à ces Hunger Games et en même temps se libérer de ces règles? Alors, pour répondre à votre question, Ali, il faut relire un peu de Michel Foucault. Rassurez-vous, je l'ai fait pour vous, c'est beau. Et il faut relire en effet l'analyse que Foucault fait de l'assujettissement. Parce que tout le parcours de Katniss tient dans ce mot. Alors dans le deuxième tome de son histoire de la sexualité, intitulé « L'usage des plaisirs », Foucault explique qu'être assujetti, c'est être soumis. C'est devenir le sujet d'un pouvoir, d'une règle, d'une norme morale. Et pour Foucault, qui dit assujettissement, dit aussi subjectivation. Subjectivation, c'est un gros mot hein, qui désigne tout le petit processus par lequel on devient un sujet. Autrement dit, le jeu social ou le jeu moral. 20h45 sur France Inter. La collection des perspectives. Et je vous propose ce soir une courte et belle collection des Derrières Polars et Romans Noirs du moment, servie par trois incorruptibles, l'ours et Réculio, qui dirige les pages culture de l'Express. Bonsoir, rebonsoir. Le 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants et la partenaire. Depuis plusieurs années, la Massif apporte des réponses concrètes et solidaires aux aidants. Rendez-vous sur le site avec lesaidants.fr. Massif, la solidarité est une force. Bon, mon amour, tu sais que pendant toute cette année, je t'ai mis un seul jour. Et maintenant, il faut que tu me promettes une chose. C'est de continuer à vivre sur la petite. Tu profites, que tu continues de vivre. Et que tu passes à autre chose. Mon amour. Le tabac tue un fumeur sur deux. Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3589, 5 centimes d'euros la minute. Ceci est un message de l'INPES et du ministère de la Santé. France Inter présente Deux jours et nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne en DVD et Blu-ray. Il faudrait que tu acceptes de perdre ta prime. Sandra a deux jours pour convaincre ses collègues. Son emploi en dépend. Pourra-t-elle compter sur leur solidarité? Deux jours et nuit avec Marion Cotillard et Fabrizio Rangione. Un DVD et Blu-ray France Inter. Non mais tu le crois ça? Hier 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part. Attends, ne me dis rien. La dépanneuse se dépose sur le parking du garage le plus miteux du patin, forcément fermé. Bref, c'est piéton et ça va se compter un peu. GMS peut appeler aussi. La preuve, en cas de panne, nous vous venons en aide et nous pouvons même prendre en charge et payer les réparations. GMS, assurément aimant. Et pour ces 80 jours, GMS nous offre 80 jours pour toute nouvelle assurance auto souscrite avant le 30 novembre. Voir conditions en agence ou sur gms.fr.